Bonjour, Café journaliste la web dromadaire. Pardon, j'ai pas entendu, excusez-moi. Café journaliste la web dromadaire. D'accord. Attends, petit. Donc, vous êtes en grève, c'est ça? Absolument. Première chez Hayat Madeleine. Oui. Et quelles sont les revendications? Revendications principales pour tous les salariés, c'est réévaluation des grilles de salaire, augmentation de 300 euros pour tous les salariés le 13e mois, prime d'habillage et de déshabillage de 250 euros. Et après, on a pas mal de demandes, notamment l'embauche des femmes de chambre qui sont sous-traitées, et non seulement femmes de chambre, mais femmes de chambre, équipiers, plongeurs qui sont sous-traitées chez Azurian. On demande l'embauche chez Hayat afin qu'ils bénéficient des mêmes conditions salariales que l'ensemble de l'effectif de l'hôtel. D'accord. Et vous comptez, vous parlez d'une grève illimitée? C'est une grève illimitée, oui. On fait une grève conjointe avec le parc Vendôme, l'Hayat Parc Vendôme, qui sont eux aussi en grève illimitée à partir de ce matin. D'accord. Eux, ils ont déjà fait une grève l'année dernière, donc ils réévaluent leurs droits cette année. Mmh. Nous, c'est une première. D'accord. Donc vous avez l'intention d'aller jusqu'au bout, oui. Jusqu'à obtenir tous vos... On est solidaires et très, très motivés, oui. Et qui c'est qui vous soutient justement? Mais c'est la CGT. La CGT. La CGT avec Monsieur Lévy, des hôtels de prestige. D'accord. Économique, voilà. D'accord. Et on a un réel soutien important et sain de ce groupe. C'est cette équipe qui avait fait l'année dernière la grève à Hayat, au bar Hayat Vendôme, qui ont réussi de très très belles négociations. Les femmes de chambre ont eu le 13e mois, les heures supplémentaires. Et aujourd'hui, ils sont en train de demander un peu plus pour les salariés hôtels aussi, pour faire bénéficier tout le monde des mêmes droits. Merci. Comment est votre prénom? Livia. Livia, merci Livia. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Au revoir.